freinage pied parallèle. Là, c'est un peu plus costaud. Faut garder bien bien les pieds serrés. Hop, on va alléger les talons et on va prendre ses quarts. Faut vraiment bien prendre ses quarts. Les épaules doivent rester dans la direction de là où on veut aller. Et hop, donc j'ai les pieds serrés. Au début. Mes pieds sont serrés. Hop. Ce qui peut vous aider, encore une fois, c'est les plots. On va en prendre deux. Deux plots. Alors, prenez plutôt des plots pas pointus au cas où, si vous tombez dessus, ce sera toujours mieux. Je vais faire, je les mets bien alignés. Pour mon départ, je passe par exemple à droite du plot droit et à gauche. Et là, je prends le virage. Donc, je dois passer d'un côté du plot et de l'autre côté du second plot. Et je dois prendre un virage le plus serré possible. Je dois sortir du virage le plus proche possible du plot. Et plus ça va aller, plus je vais y aller franchement. Au début, ça va être un virage serré, c'est tout. Et plus je vais y aller franchement, plus ça va déraper. Mon premier passage, ça va ressembler à ça. Voilà. Mon second passage, je vais me rappeler. Ah oui, il y a les épaules. Et là, je me suis arrêté. Et le troisième passage, j'ai plus peur. Et j'appuie. Et là, on y va franchement, ça marche. Prenez soin de vous. Et allez, à bientôt.